une équipe qui vient ici, je ne m'attends jamais à ce qu'on ait une bande du monde. Si c'est une équipe de Québec, là, on veut plus de personnes qui nous regardent. Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, parfait. Thank you.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Centre récréatif Gadebois pour la présentation de cette web diffusion du match entre le Phoenix du collège André Grasset et le Boomerang du cégep André Laurendeau au niveau collégial Division 2. Alors qu'on aperçoit sur la patinoire du côté du Boomerang, on voit notamment Émeric Rioux en compagnie d'Antoine Saint-Jacques, Émeric Paradis, Guillaume Mémont en défensive flanqué de Léon Jaudoin. C'est parti, bon match! Alors que la rondelle se retrouve de l'autre côté, Paradis qui est là en premier dans le coin de bataille pour la rondelle en compagnie de Rioux. Et on aperçoit également Daou sur la glace. Et finalement, c'est le Phoenix qui a sorti la rondelle en zone neutre. Ça revient vers Jaudoin. Interception ici. Ça revient par la suite vers Jaudoin dans son propre territoire à la ligne de ringuette pour Paradis. Paradis prend son temps. Rondelle qui dévie. Et ça revient vers Cournoyer. Cournoyer pour Lombardi. Il l'envoie devant lui. Langevin maintenant s'amène à l'attaque. Passe vers le filet. C'est raté ici. C'était en direction de Pettigrew. Et le Boomerang qui a récupéré cette rondelle pour un dégagement par la suite. Et contre-attaque ici. La Rivard qui aurait pu s'échapper. Mais Lemay qui va intervenir pour envoyer la rondelle dans le coin. Alors qu'on aperçoit cette fois-ci Trimarco qui est là dans le coin. Le Phoenix qui intervient avec deux tirs, deux fois plutôt qu'une, et se fut bloqué. Et la rondelle se retrouve maintenant derrière le filet avec Félix Noël, Desrosiers, qui remet vers Cronwall, s'intercepter. Le Phoenix qui a récupéré ici. Trimarco qui l'envoie le long de la rampe, ça revient vers Noël pour Alexis Tsatas. À Noël. Noël, rondelle qui dévie. Finalement, ça revient vers Tsatas qui va remettre dans le coin. C'est intercepté par Villemaire. Le Boomerang qui a récupéré le disque à la gauche de Lemay. Rondelle qui revient vers le filet. Tranquille qui est là. Et ça sera la transition du Boomerang. Bloqué ici par le capitaine Chaussé. Capitaine du Phoenix. Et Tsatas qui remet vers Tranquille. Tranquille, un dégagement à l'autre bout. Ça ne sera pas refusé. On applique des changements complets du côté du Boomerang. Hardy et Barbeau qui viennent de sauter sur la glace. Un dégagement à l'autre bout et ça sera refusé contre le Phoenix. Alors, on n'a pas vu d'arrêt de jeu avant celui-ci. Et à peine 124 secondes découlées à cette première période. Hardy qui est au cercle pour le Boomerang. C'est remporté par celui-ci, mais par la suite, là, Bordaise qui a récupéré le long de la rampe. Le Boomerang qui intercepte. Hardy qui s'amène à l'attaque. Finalement, ça revient vers le gardien Beauchemin. Et il se fut immobilisé. Ça n'ira pas plus loin. On reprendra au même endroit que la mise au jeu. C'est-à-dire à la gauche du gardien de but, William Beauchemin, qui a une fiche de 7 victoires, 2 défaites depuis le début de la présente campagne. Mise au jeu qui a été gagnée par le Boomerang. Un lancé d'Anado qui est bloqué ici. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Barbeau qui est là. Barbeau s'amène à l'attaque. Prend son temps. Finalement, il a été bien surveillé, mais ça revient vers Aymon qui a poussé le long de la rampe. Aymon qui est là, bousculé. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Aymon qui est bon en bataille ici. Va remettre à Hardy pour Barbeau à l'embouchure du filet. Ça a intercepté. Un dégagement par la suite. Bordaise qui amène la rondelle de l'autre côté. Ça sera récupéré par Nadeau. Bordaise qui est là. Et c'est une bataille à 4 pour la rondelle. Le Boomerang qui est là en compagnie de Tsatas, Nadeau et Barbeau. Finalement, c'est Barbeau qui s'est emparé de cette rondelle emprisonnée. Et ça sera une sortie cette fois-ci de Bérard qui va lober le disque à l'autre bout. Ça revient vers Provost. Une remise et le but! Samuel Provost! D'un angle quasiment impossible! Il vient de marquer son premier but au niveau collégial. Et c'est 1-0! Quel tir de Samuel Provost sur cette séquence! Tout ça initié par le lob d'Eliott Bérard qui vient ajouter un premier point à sa fiche. Et le Boomerang qui marque tôt dans la partie. 1-0 pour l'Orange et Marine. Dégagement à l'autre bout. Cette fois-ci, c'est récupéré par Lombardi qui remet le long de la rampe. Bataille pour le disque. Finalement, le Boomerang qui devra surveiller dans son territoire. Voilà, c'est fait par Jaudoin. Et cette fois-ci, c'est la sortie de Guillaume Mémont. Guillaume Mémont
prend son temps. Va remettre vers Jaudoin, à Émond. Émond à Provo. Et là, ça va être Bastien qui remet à Bérand pour un petit lob. Bastien, maintenant, qui va récupérer le disque derrière le filet. Il n'a pas gagné sa course aux dépens d'un joueur du Phoenix. Et là, cette fois-ci, c'est l'entrée de territoire là, de Daou. Daou qui tente de remettre vers le filet. Finalement, le boomerang qui va intercepter. Et ça va être la montée d'Antoine Saint-Jacques. Saint-Jacques s'amène à l'attaque. Prend son temps. Attire un couvreur. Remet vers le filet. Ryu qui est là. Un lancé, c'est bloqué. Superbe opportunité de marquer ici. Récupéré par Saint-Jacques pour Cyr à la ligne bleue. Un lancé de loin, c'est bloqué. Retour! Oh! Ryu qui a fendu l'air. Et s'il avait touché au disque, il aurait pu inscrire un but. Rivard qui a le disque maintenant. Rivard s'amène. Bon. Bon blocage ici là en défensive du boomerang, mais c'est toutefois récupéré par Trimarco derrière le filet de Lamy. Trimarco qui est là, prend son temps, à la ligne bleue maintenant. On y va d'un tir bloqué par Saint-Jacques. Ça revient le long de la rampe. Trimarco qui est là, bousculé par Desrosiers. C'est une bataille pour la rondelle. Desrosiers qui tente de sortir, ça ne fonctionne pas. Un lancé de Pettigrew, c'est raté. Ça revient à la ligne bleue maintenant. Avec Chaussé qui remet le long de la rampe, le boomerang qui sort, voilà, c'est fait. Ryu qui a accepté une passe de Cronwall. Il va tenter de remettre à Cronwall, ça n'a pas fonctionné. Et Chaussé qui va récupérer. Interception de Noël en zone neutre, il va s'amener à l'attaque. Noël prend son temps, remet à Nadeau. Nadeau s'amène. Un tir de but! Jacob Nadeau! C'est 2-0! Quel début de match cadeau de la part du Cégep André-Laurando! Et deux fois plus tôt qu'une, le boomerang va s'inscrire au pointage à l'intérieur des 6 premières minutes du jeu. C'est 2-0. Jacob Nadeau qui vient marquer son 3e but de la présente campagne. C'est déjà 2-0 pour le boomerang avec 14 minutes 57 à faire en première période. Et il va encore rester quand même là, un bon 55 minutes de jeu à jouer. Donc le boomerang ne pourra pas lâcher le pied sur la pédale de l'accélérateur. Mais ça va très bien là, depuis le début de la partie. Nadeau qui remet à Noël. Noël prend son temps. Ça mène à la ligne rouge. Un lob de l'autre côté. Finalement, ça va être récupéré ici par Nardi. Le long de la rampe maintenant, Nadeau qui est bousculé. Tranquille qui est là pour la bataille. Et finalement, c'est récupéré là, par... Le Phoenix avec Leblanc qui a été bien pourchassé par Noël qui remet à la ligne rouge. Champou qui est là. Finalement, c'est un dégagement de Leblanc. Et le boomerang qui va récupérer. Nadeau qui remet devant. Tranquille maintenant en direction des monts. C'est un peu trop long. Lombardi qui va récupérer, dis-je, la rondelle dans son territoire. Remet à Pettigrew. Pettigrew en direction de River. C'est un peu trop long. Le boomerang qui va tenter de récupérer. Voilà, c'est fait. Bonne interception de Pettigrew, mais le boomerang qui a récupéré par la suite. Ça va être la contre-attaque de Émond qui va pousser la rondelle en fond de territoire. Ça revient vers le gardien. Pas de retour ici. Immobilisation du disque. Et ça n'ira pas plus loin. Déjà 2-0 la marque. Le boomerang qui a inscrit deux buts grâce à Samuel Provost et Jacob Nadeau. Mise au jeu qui se jouera dans le territoire du Phoenix. C'est remporté par ceux-ci. Et là, ça va être la sortie de Langevin qui va s'amener à l'attaque. À la ligne rouge maintenant. Ligne bleue. Langevin s'amène à la ligne de Ringuette. S'amène à la ligne des buts. Il a tiré, mais se fut touché sur le poteau, mais côté extérieur du filet. Et là, c'est une bataille à la droite de Lemay, récupérée par Jaudoin. Jaudoin pour Hardy. Hardy pose la rondelle à la ligne bleue. Finalement, c'est intercepté par Langevin pour un coéquipier. C'est un dégagement ici du Phoenix qui sera récupéré par Lemay qui remet à Émond pour Jaudoin. Jaudoin évite un couvreur et finalement le boomerang qui n'a pas réussi à sortir, ça revient derrière le filet. Langevin qui tente de remettre en direction de Champoux. Le Cournoyer, dis-je. Cournoyer qui a la rondelle dans son territoire. Ça revient vers Chaussé. Chaussé qui est bousculé par Provost. Ça revient vers Cournoyer. Cournoyer tente de remettre à un coéquipier. C'est intercepté par Cyr qui va dégager. Ça va devenir un tir au but récupéré par Chaussé pour Cournoyer maintenant en direction cette fois-ci de Bordaise qui va s'amener à l'attaque. Et là, c'est l'entrée de territoire de Goyette. Goyette prend son temps, tente un lancer bas, c'est raté. Ça revient à la ligne bleue ici en compagnie de Chapdelaine qui envoie le disque
en fond de territoire. Bastien qui est là. Bastien pour Desrosiers maintenant. Desrosiers prend son temps avec la rondelle. Remet vers Provost qui va dégager du revers. Ça ne sera pas refusé puisque la rondelle a ralenti. Ça revient vers Lebeau maintenant. Lebeau prend son temps du revers en direction de Goyette. Goyette qui va dégager. Ça sera récupéré par Tsatas. Tsatas avec le disque. Prend son temps. Tsatas, belle passe ici en direction de Paradis. Du revers maintenant en direction de Tsatas qui a chuté, mais ça n'empêche pas Paradis de récupérer. Paradis, ça mène en lancer, ça touche l'extérieur du filet. Il va remettre vers Tsatas, ça n'a pas fonctionné. Et ça va être la sortie de Villemer bien interceptée ici. Mise en échec en zone neutre au départ là, de Cronwall. Et le jeu qui s'est poursuivi dans le territoire du Boomerang. Ça va être la sortie de Paradis qui remet le long de la rampe. Ryu qui est là, 2 contre 2. Ryu en compagnie d'Aimon. Ryu laisse derrière en direction de Paradis. Finalement, c'est Nadeau qui remet à Aimon. Le tir, le but! Julien Aimon qui marque! C'est 3-0! Rien ne va plus pour le Phoenix. Le Boomerang qui a inscrit 3 buts depuis le début de la partie. Un revirement en zone neutre. Le Boomerang qui est entré en territoire ennemi. Et bon chemin qui est vaincu pour une troisième fois dans ce match. Le Boomerang qui mène 3 buts à l'intérieur des 8 premières minutes de jeu. Et beau chemin qui a été chassé de la rencontre. Ayat qui est maintenant devant le filet du Phoenix. Absolument rien ne fonctionne pour le collège André Grasset depuis le début de cette partie. Nardi qui a la rondelle. Nardi prend son temps. Un dégagement à l'autre bout. Et ça sera refusé. Et ce match est très important pour ces deux formations. Puisque le Phoenix et le Boomerang sont nés à nez au classement général. Le Phoenix qui figure au 4e rang avec 20 points. Et le Boomerang qui en a 16 au 5e rang. Donc, la formation de Bruno Gladue voudra ajouter 2 points pour se donner un différentiel de 2 points par rapport à son adversaire. Pour réduire cet écart, Bastien qui a la rondelle, finalement, s'est récupéré par Nardi. Champoux qui est là. Champoux prend son temps, laisse derrière lui. Nardi maintenant. Finalement, c'est récupéré par Pettigrew qui remet en zone neutre. Le Boomerang qui intercepte avec Aimon et Tranquille. Tranquille qui remet derrière. Ça revient vers Jaudoin pour Aimon. Jaudoin en zone neutre maintenant. Bastien qui s'amène à l'attaque. Place la rondelle en fond de territoire. Ça revient vers Champoux. Champoux maintenant. Finalement, le Boomerang qui gagne cette bataille. Le Boomerang est très rapide là, depuis le début de la partie. Et ça va être la sortie de Pettigrew. Pettigrew en zone neutre. Rivard maintenant qui s'amène à l'attaque. Bonne surveillance de Cyr. Et le Boomerang qui va récupérer. Ça va être le dégagement de Tranquille. Il était en fin de présence. Donc, on effectuera des changements du côté du banc de l'Orange et Marine. Alors qu'on se retrouve déjà à mi-chemin de cette première période. Le Phoenix qui s'amène à l'attaque. Daou qui tente un lancer. C'est bloqué. Et par la suite, là, il y a eu un contact avec le filet de Lemay. Et donc, le tout a forcé l'arrêt du jeu. Donc, les 3 buts du Boomerang, Provost, Nadeau et Julien Aimon. Mise au jeu qui a été gagné là, par le Phoenix, mais ça revient vers Hardy le long de la rampe en direction de Aimon. Aimon qui prend son temps, un petit dégagement. Ça revient en défensive du côté du Phoenix. Interception ici de Barbeau qui va hacher la rondelle pour un dégagement à la ligne bleue. Ça va revenir vers Cournoyer. Cournoyer qui prend son temps avec la rondelle. Cournoyer laisse en zone neutre et finalement Aimon qui a récupéré. Julien Aimon. Bousculé, mais ça ne l'empêche pas de rejoindre Hardy. La passe vers Barbeau, le tir s'est récupéré. Un retour saisi par Hardy qui a vu son lancer être bloqué. Et la rondelle qui s'est dirigée dans le coin sur la palette de Sonny.
Sonny qui remet le long de la rampe. Cournoyer maintenant. Interception. Non, ça n'a pas fonctionné. C'est une passe ici pour Trimarco. Trimarco qui s'amène. Bonne surveillance défensive de Nadeau et Tsatas. Rondelle qui revient le long de la rampe. Le boomerang qui tente de gagner cette bataille. Voilà, c'est fait. Aymon qui va tenter de sortir. C'est Tsatas qui a touché au disque et le Phoenix qui a bloqué. Mais c'est revenu en zone neutre avec Tsatas qui s'est amené à l'attaque par la suite. Tsatas bousculé dans le coin, remet vers le filet. Et c'est Ryu qui est posté pour récupérer cette rondelle. Interception de Chaussée, bataille gagnée par Paradis qui va remettre vers le filet. Saint-Jacques qui tente à lancer, c'est bloqué, va récupérer son propre trou. Un tir qui est bloqué encore une fois. Et Rivard qui va s'amener à l'attaque. Rivard s'amène, prend son temps, est bien surveillé. De sorte que le boomerang peut récupérer la rondelle. C'est Nadeau qui a envoyé le disque devant lui pour Saint-Jacques. Avec Jaudoin maintenant. Ryu à Jaudoin qui s'amène à l'attaque. La feinte et le but! Léon Jaudoin qui marque! C'est 4-0! Le boomerang qui a transporté la rondelle en territoire ennemi. Et Léon Jaudoin qui n'avait qu'à pousser la rondelle dans le fond du but. C'est maintenant 4-0. Rien ne fonctionne en ce début de match du côté du Phoenix, du collège André Grasset. Le boomerang qui a inscrit 4 buts sans riposte en première période. Une domination totale. Et là, le boomerang qui récupère un revirement, mais saisi par Champoux. Bérard qui est là, finalement... C'est récupéré par Bastien. Interception par la suite. Et on va s'amener à l'attaque là, du côté du Phoenix. Hors-jeu sur cette séquence et c'est l'arrêt du jeu. Bastien qui gagne la mise au jeu. Bérard qui remet à Provost. Provost qui est bien surveillé en direction de Bastien. Finalement, c'est l'interception du Phoenix avec Lebeau qui s'amène à l'attaque. Un petit lob en fond de territoire. Ça revient vers Desrosiers. Desrosiers qui remêle par la rampe. Un dégagement par la suite de Goyette. Le boomerang qui va récupérer la rondelle. Desrosiers qui va dégager. Et là, ça va être course pour le disque. Nardi qui est là en premier. Nardi en direction de Goyette. Le boomerang qui intercepte. Goyette qui va dégager par la suite. Ça va revenir ici là vers Deslauriers-Alain. Et le boomerang qui a intercepté avec Bastien qui pousse à une main. Noël maintenant qui s'amène à l'attaque en direction d'Aymon. Ça revient vers Noël. Aymon qui est là en appui. Aymon s'amène à l'attaque. Prend son temps avec le disque. Et mise en échec ici. Il y aura un 2 minutes très certainement là. C'est un coup dangereux ici. Puis on appelle mise en échec par derrière. Aymon qui n'avait absolument rien vu. Ne voyait pas le joueur derrière lui. Ça va être une mise en échec par derrière et c'est une expulsion là, automatique du côté du Phoenix du collège André Grasset. Le genre de coup qu'on n'aime pas voir dans le hockey, une mise en échec directement dans le numéro contre la bande. Et c'est Lombardi qui est chassé de la rencontre, là. Le numéro 22. Le boomerang qui ira en avantage numérique pour les deux prochaines minutes. Ryu qui tente de gagner la mise au jeu, ça n'a pas fonctionné. Ça va être la sortie de Rivard en direction de Trimarco. Trimarco qui est pourchassé dans le coin. Mise en échec de Guillaume Aymon ici. Beau jeu du défenseur. Et le boomerang qui va sortir la rondelle de son territoire avec Jaudoin maintenant qui s'amène à l'attaque. Jaudoin prend son temps. Jaudoin observe ses options. Remet à la ligne bleue. Paradis qui est là. Aymon maintenant à la ligne de ringuette. Aymon à Paradis. Paradis, oui. Qui tente de lancer, c'est bloqué. Retour saisi. Ça revient vers Aymon qui devra se replier à sa ligne rouge puisque la rondelle a quitté le territoire ennemi. Et là, on entre du côté du boomerang. Aymon maintenant, qui remet en transversale. Saint-Jacques qui est là. Saint-Jacques prend son temps. En Ryu. Ryu, permutation avec Saint-Jacques.
Il a la rondelle pour Jaudoin. Jaudoin qui tente de remettre vers le filet, ça n'a pas fonctionné. Et c'est un dégagement à l'autre bout. Changement complet du côté du Phoenix et aussitôt le boomerang qui ira contre-attaquer. Jaudoin qui s'amène à l'attaque, prend son temps, remet vers le filet. Ça n'a pas fonctionné. Sonny qui est là pour un dégagement à l'autre bout. Et la rondelle qui a voyagé très haut. Elle est allée dans le banc de pénalité du Phoenix. Alors, mise au jeu qui se jouera dans le territoire de l'équipe visiteuse qui tire de l'arrière déjà de 4 buts à peine en première période. Nadeau qui a la rondelle, remet devant lui. On s'installe là. Bastien est en train de lancer, c'est bloqué. Ça revient vers Bastien dans le coin. Bastien prend son temps, remet à la ligne bleue. Nadeau qui est là. Nadeau à Bastien. Bastien au cercle, tente de lancer, c'est raté. Tsatas maintenant. Tsatas à Bastien. Bastien remet vers le filet, ça s'en va vers Noël qui a échappé son bâton. Dégagement du Phoenix. Et il va rester 20 secondes à l'avantage numérique de l'Orange et Marine qui mène toutefois 4-0 avec 5 minutes 15 à faire en première période. Barbeau maintenant qui laisse du revers en direction de Nadeau. Nadeau qui s'amène à l'attaque, prend son temps. A été bien surveillé, mais ça revient vers Noël pour Nadeau maintenant au cercle. Nadeau à la ligne bleue. Tsatas tente de lancer bas, c'est raté. Rondelle qui s'est retrouvée dans le coin. Noël maintenant. Finalement, c'est la sortie du Phoenix. Et là, on aura peut-être une échappée de Sonny. Sonny s'amène, tente de lancer, c'est raté. Et là, c'est récupéré ici, là. Un lancer bas et le but sur un retour de lancer. Le Phoenix qui s'inscrit au pointage. C'est maintenant 4-1. Et ici, si j'ai bien vu, c'est le numéro 96. Non, c'est Sonny, dis-je, le 89, qui a récupéré un rebond de rondelle harponné par Marc-Antoine Lemay. Et Sonny, là, qui a dirigé un tir lobé dans le haut du filet. Et donc, c'est la fin du blanchissage de Marc-Antoine Lemay. C'est maintenant 4-1 avec 4 minutes 40, oui, à jouer au premier engagement. Champoux qui a le disque. Champoux, finalement, c'est récupéré par Hardy. Bérard qui pousse à Hardy dans le coin. Hardy prend son temps, remet à Bérard, la passe vers le filet en direction de Tranquille, ça ne fonctionne pas. Finalement, Deslauriers qui est là, mise en échec de Tranquille qui gagne sa bataille au profit de Bérard qui tente de lui remettre la rondelle. Bataille à quelques joueurs pour le disque. Finalement, c'est récupéré par Tranquille qui s'est fait bien surveiller. Et là, c'est Deslauriers qui s'amène à l'attaque, remet devant lui. Leblanc qui s'amène, tente un lancer bas ou un tir voilé, mais c'est un jeu qui a avorté du côté du Phoenix. On devra recommencer du côté de la formation d'André Grasset. Et là, le boomerang qui a intercepté. Contre-attaque maintenant. Hardy qui s'amène, applique les freins, prend son temps avec la rondelle. Envoie le tout dans le coin à la gauche du gardien de but du Phoenix. Aymon qui remet à la ligne bleue. Jaudoin maintenant. Aymon tente un lancer bas. C'est bloqué. Pas de retour. Et c'était un tir qui provenait de Guillaume Aymon, le défenseur. Guillaume Aymon qui jouait pour le Blizzard de l'école secondaire de la Magdalene l'an passé. Alors que Julien Aymon, l'attaquant, arborant le numéro 24, est un vétéran de troisième année pour le Boomerang. Un précieux vétéran qui travaille fort, qui prêche par l'exemple sur la patinoire. Rondelle qui sera récupérée là, par le Phoenix. Finalement, le boomerang qui a intercepté sur un repli défensif de Barbeau. Barbeau qui s'amène à l'attaque, laisse en direction de Provo dans le coin. Ça devient une bataille pour la rondelle. Provo qui est là, ainsi que Barbeau, Pettigrew qui était là. Et finalement, le boomerang qui est sorti vainqueur de cette bataille. Rondelle interceptée par la suite par le Phoenix qui a dégagé. Rondelle qui se retrouve à la ligne bleue. Rivard qui s'amène à l'attaque. Rivard, bonne mise en échec. Démon. Et ça revient vers Julien Aymon dans le coin. Prend son temps avec la rondelle. Remet pour Barbeau. Barbeau qui va s'amener à l'attaque. Barbeau prend son temps. Barbeau remet vers le filet en direction de Jaudoin. Ça n'a pas fonctionné. Lebeau qui empêche Provo de récupérer, mais Saint-Jacques était là derrière en appui. Saint-Jacques protège bien le disque.
Saint-Jean qui est bousculé et finalement, ça sera récupéré par Lebeau. Lebeau qui a perdu la rondelle. Rioux qui fait dévier. Ça revient vers Saint-Jean qui est... Rioux qui a touché la rondelle plus haut qu'à la hauteur permise. Donc, c'est l'arrêt du jeu. Avec 2 minutes 23 à jouer en première période, Lebeau gagne en avant. 4 à 1 au départ du Phoenix du Collège. André Grasset, mise au jeu, qui sera joué devant le banc de l'équipe en blanc. Alors que le boomerang arbore son uniforme orange et marine. Rondelle qui se retrouve en zone neutre maintenant. Pettigrew qui va dégager à l'autre bout. Ça sera récupéré par Nadeau qui remet le long de la rampe. Finalement, c'est un dégagement par la suite de Bordaz. Rondelle qui se retrouve le long de la clôture. Bordaz qui récupère. Remet dans le coin. Ça s'en va derrière le filet. Jacob Nadeau qui est là, tente un dégagement, mais c'est récupéré par Chausé. Bon lancé bloqué par Rioux. Ça revient dans l'enclave. Un tir de loin qui est complètement raté de la part de Lebeau. Lebeau Brang qui dégage par la suite. Et Chausé qui va remettre devant le banc d'André Laurando. Et on a évité la pénalité de trop de joueurs de justesse. Saint-Jean qui a sauté à son banc. Là. Et ça n'empêche pas le Phoenix d'attaquer. Et par la suite, c'est... Rioux qui a récupéré la rondelle au profit de Paradis qui va s'amener à l'attaque en compagnie de Bérard. Paradis s'amène, tente un lancer, c'est bloqué par le gardien. Et la rondelle a voyagé dans l'écran protecteur derrière Ayot. Et ça n'ira pas plus loin. Avec 1-19 à jouer. En première période, le boomerang qui a marqué 4 buts sans riposte. Et par la suite, après avoir tué... Une pénalité, le Phoenix qui a marqué un but pour réduire l'écart à 3. Langevin qui a remis vers Sonny qui s'amène à l'attaque. Tire du revers, c'est raté. Rondelle qui se retrouve derrière la cage de Lemay. Et finalement, Sébastien qui sortira pour Noël. Noël place la rondelle en fond de territoire. Ça revient vers Cournoyer. Cournoyer maintenant en direction de... Champoux qui remet à la ligne de ringuette. Le boomerang qui intercepte. Bastien qui est là. Tente de lancer le but! Jordan Bastien qui marque sur un revirement. Et c'est 5 à 1. Le boomerang qui a récupéré cette rondelle. Une erreur en défensive de la part du Phoenix qui a laissé une rondelle devant le gardien de but dans l'enclave. Bastien qui a intercepté et qui vient inscrire le 5e but du boomerang. C'est le 4e but de la présente campagne pour Bastien. Le Phoenix qui dégage à l'autre bout. Et c'est refusé. Avec 38 secondes à jouer en première période, le boomerang qui mène 5 à 1. Là, les officiels mineurs, les juges de ligne, dis-je, qui se consultent, ne concèdent pas un dégagement refusé. Donc, la mise au jeu sera jouée devant le banc d'André Grasset. Jaudoin qui remet à Hardy. Hardy, un dégagement à l'autre bout. Finalement, c'est récupéré par Nardi. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. C'est un dégagement récupéré par Guillaume Aymon. Aymon. Pour Tranquille, à Aymon. Il va rester une vingtaine de secondes à faire à cette première période. Nettement à l'avantage du boomerang. Un dégagement à l'autre bout. Ça sera récupéré par Jaudoin qui remet en direction de Aymon. Le boomerang qui sort avec Julien Aymon. Hardy maintenant qui s'amène à l'attaque. Il va rester quelques secondes à peine. Hardy qui a tenté un lancer, c'est raté. Guillaume Aymon qui touche au disque. Et c'est ce qui mettra un terme à cette première période. Le boomerang qui mène 5 à 1 au bout de 20 minutes de jeu. Le boomerang qui a inscrit 4 buts sans riposte en début de période. Et par la suite, après avoir écoulé un désavantage numérique, le Phoenix, dis-je, a marqué un but. Et par la suite, le boomerang a répliqué avec un autre but, un cinquième, pour consolider son avance de 4 filets. Au bout de 20 minutes de jeu,
Alors, le premier but qui a été marqué par Samuel Provost, son premier but au niveau collégial, il a marqué d'un angle quasiment impossible à 3 minutes 8 secondes pour donner les devants à son équipe avec un premier but la passe a été attribuée à Elliott Bérard qui a ainsi récolté son premier point de la saison. Par la suite, à 5-0-3, Jacob Nadeau, son premier but, dans la partie. Son troisième de la saison, aidé de Félix Noël à 5 minutes 3 secondes. C'était donc 2-0. Et par la suite, à 8-39, Julien Aymon qui va décocher un excellent lancer dans le haut du filet après avoir reçu une sublime passe de Jacob Nadeau. Et celui-ci va tripler l'avance du boomerang. Et par la suite, Léandre Jaudoin va saisir une rondelle libre dans le demi-cercle du gardien. Beauchemin, qui a été chassé de la rencontre par son entraîneur-chef, Jaudoin, qui a donc inscrit son troisième but de la saison. Émeric Rioux a obtenu une mention d'aide sur ce but. Et par la suite, après avoir écoulé un désavantage numérique, le Phoenix a réduit l'écart à 3 buts à 15 minutes 19 de la première période. Benjamin Sonné, qui a vaincu Marc-Antoine Lamy, qui avait pourtant repoussé une première rondelle avec son bâton, mais Sonné a décoché par la suite un lancer dans le haut du filet. Il a inscrit son quatrième but de la saison. Rémi Langevin a obtenu une mention d'aide sur ce but. Et finalement, Jordan Bastien, en toute fin de première période, accepte un revirement, un cadeau gratuit de l'adversaire dans l'enclave. Il va vaincre le gardien de but, Ayotte, pour marquer le cinquième but du boomerang. Donc, au bout de 20 minutes de jeu, le boomerang, qui domine nettement cette rencontre, mène 5-1 aux dépens du Phoenix Collège André Grasset. On va se retrouver dans environ une dizaine de minutes pour la période numéro 2 de ce match.
Nous sommes de retour pour la période médiane de ce match alors que le Boomerang est en avance de 4 buts. Oui, oui, vous avez bien entendu, une avance de 4 buts. Le Boomerang qui a marqué 5 filets au cours du premier engagement alors que le Phoenix en a inscrit qu'un seul. Les buts du Boomerang qui ont été marqués par Provo Nadeau, Julien Aymond, Léon Jaudoin et Jordan Bastien. Benjamin Sonné a marqué l'unique but du Phoenix du collège André Grasset. Et du côté du Phoenix, eh bien, il faut souligner que la soirée de travail de Michael Lombardi semble être terminée, puisqu'en première période, il avait eu une pénalité là, de mise en échec par derrière. Reste à voir si il retournera sur la glace. Mais je crois qu'il va retourner sur la glace puisque ce serait un 2 minutes et un 10 minutes de mauvaise conduite dans ce cas-ci. Mais on verra là, si le numéro 22 retournera sur la patinoire alors qu'on voit les joueurs du Phoenix du collège André Grasset sauter sur la glace. Sonné qui est là, Bordaise également. Je n'ai pas vu Lombardi. Primarco qui viennent de sauter également. Du côté du Boomerang, on aperçoit... Alors voilà, Lombardi n'est pas à son banc, il n'est pas au banc de pénalité, donc sa soirée de travail est terminée. C'est parti pour la période numéro 2 de ce match. Cyr qui a remis, dis-je, à Desrosiers. Rondelle interceptée par Nardi qui remet en zone neutre. Desrosiers qui dégage à l'autre bout. Ça sera récupéré par Nardi qui a échappé toutefois la réception de cette rondelle. Qui se retrouve maintenant le long de la rampe. Primarco qui a remis en zone neutre et ça va être un dégagement à l'autre bout. Récupéré ici là, par Chaussé. Chaussé qui tente un lancer, c'est raté. Bérard qui va récupérer. Finalement, c'est un dégagement de Nardi qui remet derrière le filet. La passe devant, Primarco qui est là, tente un lancer. Et c'est bloqué par Lemay, pas de retour. Les 37 premières secondes de cette deuxième période qui ont été écoulées. On avait une présence en zone offensive pour le Phoenix. Il faudra être plus agressif avec la rondelle. Il faudra déranger le travail de Marc-Antoine Lemay si on veut inscrire des buts. Un lancer qui est bloqué. Retour saisi derrière le filet. C'est Daou qui est là. Daou, une passe qui revient vers la cage de Lemay qui a immobilisé le tout. Et ça n'ira pas plus loin. Et je dis déranger le travail de Lemay puisque les joueurs du Boomerang sont très engagés ce soir défensivement. Ça ne donne pas grand-chose. Les lignes de passe sont bien coupées. Le Boomerang est ici là, pour aller chercher les 2 points. Je vous rappelle, en bon langage de hockey, c'est un match de 4 points aujourd'hui puisque le Boomerang voudra séparer un écart de 2. Un écart de 4 points, dis-je, avec le Phoenix. Le Phoenix qui a 20 points classés au 4e rang de la division du Sud-Ouest, alors que le Boomerang est directement derrière cette formation avec 16 points au classement. Donc, avec 2 points de plus, eh bien, le Boomerang se retrouverait à 18 points et 2 points de moins que Grasset pour le 4e rang. Donc, c'est un match important. Un lancer qui s'en va dans au cercle et finalement le dégagement qui sera récupéré par Nardi. Nardi prend son temps avec la rondelle, remet le long de la rampe. Finalement, ça revient vers Saint-Jacques qui tente un lancer de loin, c'est raté. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Finalement, c'est une bataille saisie par Rioux. Rioux qui remet vers le filet, mais se fut bloqué. Récupéré ici par Chaussé. Chaussé qui tente de sortir, interception. Saint-Jacques s'amène, tente un lancer. Paradis, dis-je. Et finalement, le jeu est arrêté. Saint-Jacques et Paradis qui étaient vers le filet, là. Saint-Jean qui a transporté cette rondelle. Rioux qui a bien travaillé en protection de disque pour lui remettre le tout. Et le gardien Ayotte qui a tout bloqué. Mise au jeu à la droite du gardien des visiteurs. C'est remporté par le Boomerang. Un lancer loin de Tatan, c'est capté par Ayotte. On reprendra au même endroit. Alors à l'attaque du côté
du boomerang, on aperçoit les vétérans Julien Aymon, William Barbeau et Émile Hardy. En défensive, c'est Nadeau et Tsatas qui sont là. Mis au jeu gagné par Barbeau et Tsatas qui a la rondelle. Tsatas remet vers Hardy. Tsatas qui récupère une passe. Finalement, interception du Phoenix. Et là, on va s'amener en 2 contre 1. Mais hey, Hardy est efficace en repli défensif. Un lancer loin qui est raté. Et le boomerang qui tente de sortir, ça ne fonctionne pas. Villemer qui est là, tente un lancer bas. C'est bloqué. Retour! C'est bloqué de justesse par Émile Hardy. À la ligne des buts, il a volé un but au Phoenix. Et c'est un dégagement à l'autre bout du boomerang. Ça sera refusé. Quel jeu d'Émile Hardy sur cette séquence. Si ce n'était de lui, la rondelle traversait complètement la ligne. Le numéro 13 qui était là pour dégager le disque. Barbeau qui est au cercle contre Deslauriers. Contre... pas Deslauriers, mais plutôt Trimarco, dis-je, qui est chassé de la mise au jeu. Et ça sera Pettigrew qui ira au cercle. Non. Oui, Pettigrew, mais on inverse les joueurs, là. Aux ailes. Mise au jeu gagnée par Hardy. Ça revient à la ligne bleue par la suite. Chaussé qui est là, qui remet le long de la rampe. Ça revient vers Rivard. Pour Pettigrew. Pettigrew mis en échec par Hardy. Et Cyr qui va remettre le long de la rampe. Dégagement à l'autre bout. Pettigrew qui est là. Finalement, Barbeau qui dégage la rondelle et qui tentera de récupérer son propre dégagement. Le boomerang qui récupère. Hardy qui va être là. Hardy remet à Barbeau. Barbeau prend son temps avec la rondelle. Le long de la rampe maintenant. Finalement, ça s'en va derrière le filet. Et ça va être la sortie de Trimarco. Trimarco maintenant pose le disque à l'autre bout et on va s'amener à l'attaque du côté du Phoenix. Mais très bonne mise en échec de Bérard qui a séparé le porteur du disque de la rondelle. Et ça revient dans le coin. Une autre mise en échec de Desrosiers. Finalement, Bérard qui a saisi la rondelle pour Hardy. Hardy qui va dégager à l'autre bout. Ça revient vers Bérard. Bérard maintenant le long de la rampe. Tranquille qui est là. Tranquille, en direction de Bérard. Finalement, ça ne fonctionne pas. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Tranquille qui est là. Noël va tenter de nous pousser. Jaudoin qui récupère en appui et dégagera à l'autre bout. Bérard qui retournera à son banc. Et le Phoenix qui a la rondelle maintenant. La sortie du collège André Grasset. C'est coupé. Et là, Tranquille qui va tenter de vaincre Nardi. Finalement, ça s'en va vers le gardien. Ayotte, Tranquille qui retournera à son banc. Le boomerang qui est efficace là, pour bloquer les sorties de territoire du Phoenix. Ça s'en va à l'autre bout maintenant. Sonny qui est là contre Jaudoin. Bataille pour la rondelle. Et Villemer également qui est là. Finalement, le boomerang qui parvient à sortir. Et ça sera la transition de Noël qui va dégager à l'autre bout pour appliquer des changements à son équipe. Le boomerang qui tente de récupérer. Ça revient devant. Oh! Paradis qui a fendu l'air. Tsatas qui tente de lancer. C'est bloqué. Ça revient vers Nadeau qui a marqué un but ce soir. Remet derrière le filet. Provo qui est là. Bataille à 4 pour la rondelle. Provo qui récupère un tir. C'est bloqué. Et le commencement de dispute ici. Devant le gardien de but, Ayotte. Provo qui avait au bout de sa palette son deuxième but au niveau collégial, mais il s'est fait fermer la porte par le gardien Ayotte, qui fut alerte. Mise au jeu qui se jouera à la gauche d'Ayotte. Villemer qui sera au cercle contre Rioux avec 15-22 à jouer en deuxième période. Un point positif pour le Phoenix du collège André Grasset. Aucun but accordé là, depuis le début de la période. Bien qu'on se retrouve au quart de celle-ci. Rioux qui a la rondelle le long de la rampe. Rioux qui remet à la ligne bleue. Tsatas maintenant à Nadeau. Nadeau envoie la rondelle vers le filet. C'est raté. Finalement, ça devient une bataille pour le disque. Ça va être une sortie de chaussée. Et la rondelle a quitté la patinoire et ça n'ira pas plus loin. 15 minutes, 1 seconde à jouer.
à cette période médiane. Le Boomerang en avance, 5-1. Le Boomerang qui a connu toute une première période avec 4 buts sans riposte pour commencer le match. Et par la suite, le Phoenix a répliqué avec un but. Et le Boomerang en a marqué un en toute fin de première période. Là. Rio qui est au cercle pour le Boomerang. Villemaire qui a été chassé. Non, Villemaire qui revient au cercle. Un peu de confusion. Bref, mise au jeu gagnée par le Boomerang. Un tir de Saint-Jacques s'est raté. Ça revient vers Villemaire qui remet le long de la rampe. Un long dégagement à l'autre bout. C'est refusé. Ça n'ira pas plus loin. 14-53 maintenant à jouer en deuxième période. Mise au jeu qui, cette fois-ci, se jouera à la droite du gardien de but. Philippe Ayotte. Une fiche de 3 victoires, 4 défaites depuis le début de la présente saison. Rio qui est au cercle contre Trimarco. C'est gagné par le Boomerang. Paradis qui est là. Envoie le disque derrière le filet. Saint-Jacques maintenant. Saint-Jacques prend son temps. Ligne bleue. Cyr qui remet le long de la rampe. Ça s'en va vers Rio. Chaussé qui est là finalement. Rio qui gagne cette bataille. Qui remet en direction de Cyr. Ça ne fonctionne pas. Et là, ça va être une contre-attaque du côté du Phoenix. 2-1. Un lancé. C'est bloqué par le but. Et pas de retour. Alors que Rioux tentait de rejoindre Justin Cyr et la passe était imprécise, un peu trop vive pour le défenseur qui n'a pas été en mesure de maintenir la rondelle en territoire ennemi. Et par la suite, le Phoenix qui est allé d'un 2-1. Et le tout a été bloqué par Marc-Antoine Lemay. Une bonne présence là, pour le Phoenix. Et rondelle qui est récupérée par la suite par Hardy qui protège bien le disque. Envoie du revers derrière le filet adverse. Ça revient vers Cournoyer. Cournoyer prend son temps avec le disque. Ça mène en zone neutre. À la ligne bleue maintenant. Dégage du revers. Ça s'en va vers Lemay. Pas de retour. Mise au jeu qui se jouera dans le territoire du Boomerang. Daou qui est sur la glace en compagnie de Goyette. Cournoyer du côté du Phoenix. Sonny également est là. Ainsi que le numéro 77, Langevin. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Et finalement, le Boomerang qui récupère avec Barbeau. Interception cette fois-ci de Sonny. Sonny qui est bousculé. Rondelle qui revient derrière Goyette maintenant. Le Boomerang qui tente de sortir de cet enclos. Avec Barbeau, voilà ses fesses, ça s'en va en zone neutre. Aymon qui tente de gagner cette bataille. Finalement, Hardy était là en appui. Il va s'amener à l'attaque. Hardy applique les freins, tente un lancer voilé, c'est raté. Ça revient vers Bérard, Jaudoin maintenant, qui remet le long de la rampe. Bérard qui est là, remet en direction de Barbeau, c'est un peu trop long. Barbeau qui va récupérer toutefois, mais interception par la suite. Sonny qui s'amène à l'attaque. Sonny place la rondelle derrière les défenses adverses. Et Lemay là, qui a évité un cafouillage ici. Et Hardy qui a récupéré le tout. Hardy pour Barbeau en direction de Bérard. Bérard qui remet le long de la rampe. Ça revient vers Aymon. Guillaume Aymon qui a effectué un petit lob. Et c'est la contre-attaque maintenant de Nardi. Nardi qui s'amène à l'attaque. Remet vers le filet. C'est raté. Provo qui récupère. Un dégagement cette fois-ci en territoire ennemi. Et le Boomerang pourra effectuer un changement. Là. Tsatas qui vient de sauter sur la glace. Nardi qui tente un lancer de loin, c'est raté. C'est bloqué, dis-je, par Lemay. Rondelle qui est récupérée. Un lancer cette fois-ci, bloqué par Lemay encore une fois. Là, c'est le numéro 47, Bordez, qui a le disque. Bataille pour la rondelle. Finalement, ça revient à la ligne bleue. Chaussé qui remet à sa gauche. Nardi tente un lancer, c'est bloqué. Nardi qui récupère, ça s'en va dans le flanc opposé. Rondelle qui sort, on devra recommencer du côté du Phoenix. Avec 12 minutes 20 à jouer en deuxième, le Boomerang en avance 5-1, je vous rappelle. Dégagement à l'autre bout. Tsatas pour Nadeau. Nadeau qui remet vers Tsatas, qui évite une mise en échec et il a remis à Nadeau pour Bérard maintenant. Une passe qui dévie sur Bastien, ça revient chez le Phoenix. Entrée de territoire maintenant de Pettigrew qui se faufile à l'attaque. Il a été bloqué par la défense. Et ça revient vers Provo. Rondelle libre en zone neutre.
Finalement, Tsatas qui va récupérer un long dégagement du boomerang à l'autre bout. Et ça ne sera pas refusé puisqu'il y a eu des changements complets. Et tous les joueurs du boomerang ont réussi à traverser la ligne rouge. Et cette fois-ci, c'est au tour du Phoenix de voir son dégagement être refusé. Avec 11-36 à jouer en deuxième période. Le boomerang qui mène 5-1. Julien Aymon qui a marqué. Samuel Provost également, Jacob Nadeau, Léandre Jaudoin se sont inscrits au pointage. Ainsi que Jordan Bastien. Filmer qui remet devant lui. Deslauriers maintenant qui s'amène à l'attaque. Deslauriers remet vers le filet en direction de Filmer. C'est intercepté par Saint-Jacques qui protège la rondelle pour Tranquille. L'interception toutefois. On va s'amener à l'attaque du côté du Phoenix. Récupéré par Desrosiers derrière son filet. Bataille pour la rondelle. Noël qui est là. Finalement, c'est un dégagement d'Ayotte. Récupéré par Tranquille qui évite une mise en échec. Tranquille prend son temps. Remède dans l'enclave. Un tir depuis le haut des cercles. C'est bloqué. Et entre-temps, il y a eu une pénalité pour obstruction qui a été vue par l'arbitre. Et c'est Justin Cyr qui ira au cachot. Alors, le Phoenix qui aura une occasion en avantage numérique. Taux d'efficacité de 16% en jeu de puissance pour la formation du Collège André-Grasset. Équipe qui joue ses matchs à domicile à l'aréna Michel Normandin. Alors que le boomerang dégage avec Paradis. Paradis qui a laissé la rondelle filer en territoire ennemi pour éviter le hors-jeu. Et c'est Cournoyer qui a la rondelle. Cournoyer remet devant lui. Villemer maintenant. Villemer bien surveillé par Aymon, mais ça ne l'empêche pas de rejoindre Cournoyer qui s'amène à l'attaque. Cournoyer tente de vaincre Jaudoin. Il remet derrière lui Pettigrew qui est là. Le long de la rampe maintenant, ça revient vers Trimarco en direction de Pettigrew. Pettigrew maintenant. Villemer, ça revient à la ligne bleue. Cournoyer. Cournoyer, oui. Voit sa rondelle être déviée par le bâton de Paradis. Et rondelle qui a voyagé dans les hauteurs de l'amphithéâtre, dans l'écran protecteur derrière le gardien de but Lemay. Avec 1 minute 15 à jouer à l'avantage numérique du Phoenix du Collège André Grasset. 10 minutes 10 secondes à jouer en période médiane. Rioux qui a gagné cette mise au jeu. Desrosiers maintenant qui remet le long de la rampe. Le boomerang qui tente de sortir. Rioux qui est là encore une fois le long de la clôture. Daou également. Finalement, ça revient derrière le filet. Dans le coin maintenant. Rivard qui remet à chaussée. Ça revient à Rivard. Rivard pour Sonner. Sonner à Rivard. Rivard prend son temps. Chaussée maintenant. Tente un tir. C'est bloqué en défensive par Desrosiers. Ça revient vers Rioux qui va s'amener à l'attaque. Rioux qui tentait de rejoindre Bérard. Bérard qui va récupérer à la ligne des buts. On va le disque le long de la clôture. Ça devient une bataille pour la rondelle. Et finalement, le Phoenix qui a récupéré. Ça sera une transition en direction de Sonny qui s'amène à l'attaque. Passe vers le filet. Un tir bloqué par Lemay. Pas de retour. C'était une rondelle qui fut déviée sur un bâton à l'embouchure du filet. Et Lemay qui était alerte, il a immobilisé le jeu. Avec 9 minutes 16 secondes à jouer en deuxième, 22 secondes à écouler. À son désavantage numérique du côté d'André Lorado, où 22 secondes à jouer à l'avantage numérique du Phoenix. Voyez-le comme vous voulez. Rondelle qui revient vers Cournoyer. Cournoyer tente un lancer bas, c'est bloqué. Rondelle qui est revenue dans le coin. Villemer qui est là. Bataille pour la rondelle saisie par Leblanc. Leblanc qui a été pourchassé par Hardy qui va s'amener à l'attaque. Un dégagement à l'autre bout. Les dernières secondes de la pénalité de Cyr qui vont s'égrener. On va revenir à 5 contre 5 avec Barbeau là, qui a la rondelle. Bonne protection de rondelle ici de la part de William Barbeau qui a laissé le tout dans le coin. Ça sera Villemer qui en profitera pour une petite passe à un coéquipier. Ça revient en zone neutre. Et c'est maintenant l'entrée de territoire là. Deslauriers qui tente un tir bas bloqué par Lemay. Ça revient vers Tsatas. Tsatas pour Jaudoin.
Jaudoin en direction de Saint-Jacques. Ça dévie sur son bâton. Et récupéré par Hardy. Bonne mise en échec. Saint-Jacques qui est là. Bataille pour la rondelle. Finalement, c'est la sortie de Cournoyer en compagnie d'un coéquipier. Rondelle qui dévie jusqu'en zone neutre. Revirement ici. Et cette fois-ci, c'est Rivard qui est là. Le Phoenix là, qui se montre présent quand même en deuxième période. Là, ça revient le long de la rampe. Saint-Jacques qui tente de dégager. Voilà, c'est fait, mais c'est revenu à la ligne rouge. Chaussée et Champoux là, qui chapeaute la ligne rouge et c'est un dégagement. Revenu vers Tsatans. Tsatans qui a échappé la rondelle. Ça revient devant. Oh, quel arrêt de Marc-Antoine Lemay! Il vient de sauver! Le boomerang sur cette séquence, il a volé un but au Phoenix. Et Alexis Tsatans, lui, devra un souper sur cette séquence. Tsatans qui a pris trop son temps avec la rondelle. Le disque qui s'est retrouvé devant Marc-Antoine Lemay, qui a mis un peu de moutarde et de ketchup avec sa mitaine. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Un tir qui touche l'extérieur du filet. Cyr qui récupère maintenant en compagnie de Bastien. Bastien pour Desrosiers. À Bastien, oui. Bastien à la ligne rouge, un dégagement à l'autre bout. Et rondelle qui a été déviée, je crois, à l'extérieur. Ou bref, un arrêt de jeu a été signalé par l'arbitre. Par un juge de ligne, dis-je. Sont deux juges de ligne ce soir, ainsi qu'un arbitre en chef. Bastien qui a gagné la mise au jeu, Desrosiers qui est là. Rondelle qui n'a pas dévié. Et c'est un dégagement refusé contre le boomerang avec 7 minutes 18 à jouer en deuxième période. Le cégep André Laurando qui est en avant. 5-1, aucun but qui n'a été marqué au cours de la deuxième période jusqu'ici. Mais Marc-Antoine Lemay qui s'est signalé, là. Il a volé un but à son adversaire il y a quelques instants. Ils ont joué gagné par le boomerang. Desrosiers qui a la rondelle. Desrosiers est bousculé. Finalement, Cyr qui est là en bataille pour le disque. Sonny qui est là également. Finalement, le boomerang qui est sorti vainqueur de cet enclos. Ça va être la sortie de Desrosiers qui lobe la rondelle en zone neutre. Ça s'en va à l'autre bout. Noël qui a été gêné. Là, finalement, la rondelle qui est revenue vers le gardien de but, Ayotte. Ça n'ira pas plus loin. 6:57 à jouer en deuxième. Mise au jeu qui se jouera dans le territoire du Phoenix. Tranquille qui est sur la glace en compagnie de Julien Aymon et de Félix Noël. En défensive, Jaudoin et Guillaume Aymon qui se retrouve sur le jeu. Et rondelle qui a voyagé à l'extérieur de la patinoire, ça n'ira pas plus loin. On reprendra cette fois-ci à la ligne bleue, puisque c'est le boomerang qui a dégagé la rondelle à l'extérieur de la glace. Tranquille qui est au cercle pour le boomerang. Il remporte la mise au jeu. Guillaume Aymon qui remet à Noël. Beau jeu ici, là. Noël qui s'amène à l'attaque. Remet vers le filet. Un tourniquet maintenant du boomerang et ça revient à la ligne bleue. Aymon qui tente un lancer de loin et c'est raté. Ça revient vers Tranquille. Tranquille prend son temps maintenant. Lucas Tranquille a été bien pourchassé. Rondelle qui se retrouve dans le coin toutefois. Aymon maintenant en compagnie de Jaudoin. Guillaume Aymon maintenant tente un lancer de loin et c'est raté. Villemer maintenant qui a le 10. Tente un dégagement. Jaudoin qui a haché le disque, ce fut dévié. Rondelle qui a voyagé au bord du boomerang, qui a touché là, l'indicateur receveur en haut du banc de l'Orange et Marine. Ça n'ira pas plus loin. 6 minutes 24 secondes à jouer en deuxième. Le boomerang qui mène 5-1 dans cette partie. Mais le Phoenix qui se montre présent tout de même en deuxième période. Mise au jeu gagnée par le Phoenix. Encore une fois, dégagement le long de la rampe. Ça va revenir là, en zone neutre. Nadeau maintenant qui s'amène à l'attaque. Finalement, c'est Trimarco qui est là. Trimarco remet devant lui. Bonne mise en échec au vent du Phoenix, mais ça n'empêche pas Trimarco de s'amener à l'attaque, dis-je. Trimarco voit sa rondelle être sortie du territoire du boomerang. Un dégagement du Phoenix. Ça sera récupéré par Jacob Nadeau. Nadeau qui prend son temps maintenant. Remet à Saint-Jacques. Saint-Jacques
a été surveillé par Leblanc et celui-ci a dégagé la rondelle à l'autre bout. Nadeau qui récupère le long de la rampe. Saint-Jacques qui est là. Saint-Jacques prend son temps. Remet le long de la rampe. Chaussé qui est là. Finalement, interception de Rio en zone neutre qui attend que Paradis sorte pour éviter le hors-jeu. Et Saint-Jacques qui a trébuché. Ça revient vers Paradis. La remise vers Saint-Jacques vu son lancer être raté. Paradis qui est là dans le coin. Paradis prend son temps. Remet à Rio. Rio à la ligne bleue maintenant. Ça tasse. Tente un lancer bas. C'est bloqué. Ou raté, dis-je. Et la rondelle se retrouve à la ligne, le long de la rampe, encore une fois. Chaussé qui remet vers Leblanc, qui fait dévier. C'est récupéré par Tsatans. Zone neutre maintenant, dégagement de Goyette. Et le boomerang qui pourra récupérer dans son territoire, en compagnie de Saint-Jacques. Saint-Jacques qui remet à Rio. Rio qui s'amène à l'attaque maintenant. Deux contre deux. Une passe arrière à Paradis. Paradis s'amène à l'attaque. Il a été bien surveillé ici là, par Villemaire. Qui envoie le disque à l'autre bout. Récupération de Cyr. Surveillé le long de la rampe. Cyr qui est là. C'est une bataille à plusieurs joueurs. Finalement, ça se transporte derrière le filet. Ça revient devant avec Langevin. Et le boomerang qui récupère. Non, un jeu qui est bien bloqué par Nardi. Qui voit son tir être raté. Cette fois-ci, c'est Leblanc. Qui est bien pourchassé par Barbeau. Le boomerang qui est un peu débordé là, dans son territoire. Le Phoenix qui a la rondelle longuement avec Cournoyer. Cournoyer tente un lancer, c'est raté. Et ça va revenir vers William Barbeau. Barbeau dégage à l'autre bout. Rondelle qui ralentit, donc ça ne sera pas refusé. Cournoyer qui est là. Finalement, ça revient à la ligne bleue. À la ligne rouge, dis-je. Et c'est un dégagement cette fois-ci là, de Nardi qui va retourner à son banc. Non, c'est refusé. Il retourne à son banc quand même. Règlement du Division 2 qui n'empêche pas les changements lors d'un dégagement refusé. Ce qui est le contraire au niveau Division 1. Mise au jeu à la gauche du gardien de but Ayotte. C'est remporté par Bastien. Aymon qui est là. Remet le long de la rampe. Finalement, ça s'en va vers Goyette. Le boomerang qui tente de remettre vers le filet. Là. Finalement, ça s'en va le long de la clôture. Encore une fois, une sortie ici de Bordaise qui a été bien surveillée. Le boomerang qui a récupéré Guillaume Aymon pour Julien Aymon. Mais cette fois-ci, la bataille qui a été stoppée par Jaudoin qui est bousculé ici. Il y aura pénalité là. Le joueur adverse, Lebeau, qui a voulu donner un beau câlin à Julien, à Léandre Jaudoin. Et en donnant son câlin, bien, il l'a mis sur la glace. C'est une pénalité pour avoir retenu. Avec 3 minutes 14 à jouer. En deuxième période, le boomerang ira en avantage numérique. Ce n'est pas Lebeau qui a été chassé, mais plutôt Villemaire. Alors là, le boomerang a une occasion en or pour consolider une fois de plus son avance. On a vu le Phoenix être bien présent en deuxième période, mais le boomerang voudra marquer un sixième but. Là. Bastien qui est au cercle de mise au jeu. Desrosiers et Cyr qui retournent à son banc. À leur banc, dis-je, Aymon et Jaudoin qui sont là en défense. À l'attaque, Bastien, Hardy et Julien Aymon qui sont là. Pour l'avantage numérique d'André Lorando. Hardy qui a la rondelle. À Aymon. Ça s'en va en direction d'Hardy, mais dégagement à l'autre bout du capitaine Chaussé. Et l'ami qui va remettre à Jaudoin. Jaudoin, le long de la rampe. Finalement, c'est récupéré par Pettigrew. Bien surveillé, le boomerang qui récupère avec Hardy. Hardy qui prend son temps. Un dégagement à l'autre bout. Ça sera récupéré par Chaussé. Chaussé en bataille avec Aymon. Finalement, Bastien qui est là en compagnie d'Aymon. Le long de la rampe, ça s'en va vers Guillaume Aymon. Guillaume Aymon qui ne parvient pas à maintenir la rondelle en territoire ennemi. Hardy qui tente de sauver le travail. Voilà, c'est fait. Bonne protection de rondelle ici. Hardy qui remet derrière lui. Bastien maintenant. Bastien prend son temps. À Aymon. Guillaume Aymon pour Desrosiers. Desrosiers.
observe ses options, remet à son partenaire Aymon. Ça s'en va vers Bastien. Aymon à Desrosiers pour Paradis. Aymon qui tente un lancer frappé. Et ça fut bloqué ici là, par Pettigrew et Rondel qui s'est envolé dans l'écran protecteur derrière le gardien de but du boomerang. Et ça n'ira pas plus loin. 47 secondes à jouer à l'avantage numérique du cégep André Laurendeau avec exactement 2 minutes à faire en période médiane. Mise au jeu qui se joue à la gauche du gardien de but du Phoenix Collège André Grasset. C'est remporté par Rioux, mais interception par la suite. Ça va être une sortie de Lebeau récupérée par Cyr et Desrosiers. Desrosiers prend son temps avec la rondelle. Observe ses options. Desrosiers à la ligne de ringuette. Remet vers Paradis qui entre en territoire ennemi. Évite découvreur. Tente un lancer. C'est raté. Ça revient vers Saint-Jacques pour Desrosiers. Pour Cyr. Cyr tente un lancer de loin. C'est raté de peu. Et ça revient vers Saint-Jacques. Derrière le filet maintenant. Paradis dans le coin à la droite du gardien. Paradis qui a été bousculé par Nardi. Mais Paradis qui récupère cette rondelle par la suite. Paradis qui envoie le tout vers le filet. Ça ne fonctionne pas. Cournoyer qui a intercepté. Mais beau jeu de Rioux en échec avant qui fait en sorte que la rondelle demeure en territoire ennemi. Et par la suite, le Phoenix qui va récupérer. Ça va être l'entrée de territoire. Là. Un lancer qui est raté pour Bordens. Et on a annoncé la dernière minute de jeu là, de cette deuxième période. Aucun but marqué depuis les 19 dernières minutes. Rioux qui s'amène à l'attaque, prend son temps, remet à Noël, la passe vers le filet, le tir, le but! Justin Cyr ou Aymeric Rioux qui marque! C'est Justin Cyr, je crois, son premier au collégial! Et c'est 6-1! Ou son deuxième, dis-je! Les joueurs qui sont contents pour Justin Cyr, son premier cette saison. C'est maintenant 6-1. Il avait déjà marqué un but contre le collège Jean de Brébeuf. Et c'est maintenant 6-1. Tranquille qui gagne la mise au jeu. Ça s'en va vers Nadeau. Nadeau pour Tsatans. Tsatans qui remet en zone neutre. Finalement, c'est intercepté. Goyette maintenant qui envoie le tout devant. Et finalement, c'est un hors-jeu qui a été signalé. Ça n'ira pas plus loin. Avec 31 secondes à jouer à cette deuxième période, le boomerang qui a une large avance de 5 buts maintenant. Tranquille contre Daou. C'est gagné par Daou, mais le juge de ligne pense que ça fut joué trop tôt. Tranquille qui est chassé, donc Noël qui ira au cercle. Provo qui change avec Tranquille, bref. Mise au jeu gagnée là, par le boomerang. Avec Nadeau qui remet le long de la rampe. Un dégagement du Phoenix récupéré par Nadeau. Nadeau remet vers un dégagement. Finalement, c'est Provo qui est là en premier. Notre dégagement, ça revient vers Lemay qui va immobiliser le tout. Le boomerang qui a la rondelle. Ça revient vers Tsatans. Tsatans, bousculé. C'est la fin de cette période. Le boomerang qui a marqué en toute fin de période encore une fois. Et c'est maintenant 6-1. Alors, si je regarde le sommaire, eh bien, Justin Cyr qui a marqué un but. Et Félix Noël a eu un point sur la passe. Donc, au bout de 40 minutes de jeu, le boomerang en avance, 6-1. On se retrouve dans environ une douzaine de minutes pour la période numéro 3 de ce match. Restez là.
Nous sommes de retour pour la troisième période de ce match alors que le Boomerang est en avance 6-1 aux dépens du Phoenix du collège André Grasset. Le Boomerang qui a marqué 4 buts lors de la première 5 buts dis-je lors de la première période. En deuxième, un seul but qui a été marqué là, en toute fin de deuxième. Alors 6-1 la marque. Et alors, nous sommes prêts à entreprendre la troisième période de ce match. C'est parti! Langevin qui a laissé la rondelle devant lui et le Boomerang qui a récupéré avec Nadeau pour Hardy. Ça fut dévié sur son patin pour un dégagement à l'autre bout. Et la rondelle qui se retrouve dans le coin là avec Julien Aymon qui est là. C'est une bataille pour le disque. Finalement, Sonny qui a poussé une main, ça revient vers Nadeau qui remet devant lui. Barbeau maintenant à Hardy pour Nadeau. Qui effectue un tourniquet. Remet vers le filet et ça n'a pas fonctionné. Langevin qui est là va remettre devant lui. C'est maintenant un 3 contre 1, 3 contre 2. Daou tente de lancer. Oh, c'est l'arrêt, le retour de but. Et là, il y a eu trois joueurs secoués sur cette même séquence. Ça aura pris 40 secondes avant que le Phoenix inscrive un but en début de troisième. Et là, deux ou trois joueurs ont été secoués là, sur cette séquence. Il y a eu une espèce de collision. Là. Hardy qui va retourner à son banc. Et les joueurs du Phoenix qui vont se donner la main pour le but. On voit ici, là, c'est le numéro 88, non, 89, Sonny, qui a été secoué là, au cours de la dernière séquence. Bref, 6-2 la marque. Rien n'est joué dans ce match. Rio qui gagne la rondelle. Desrosiers maintenant pour Cyr le long de la rampe. Finalement, c'est le dégagement de Rio. Ça s'en va à l'autre bout avec Chaussé. Et le Phoenix qui va dégager à l'autre bout. La rondelle qui se retrouve derrière le filet maintenant avec un lancer qui est raté. Ça s'en va au cercle. Chaussé qui est là. Chaussé envoie le tout de l'autre côté. Rio qui est là en premier. Rio, il va d'un petit lob, mais c'est un peu trop long pour Saint-Jacques et ça sera refusé. Les joueurs du Boomerang qui n'avaient pas traversé complètement la ligne rouge. Alors, le dégagement n'a pu être accepté. Mise au jeu qui se jouera à la gauche de Lemay. Villemer contre Rio. À la mise au jeu, c'est gagné par Villemer. Et par la suite, le Boomerang qui a récupéré. Ça revient là vers Saint-Jacques, le long de la rampe. Deslauriers qui est là, en compagnie de Chaussé. Chapdelaine également qui se montre présent. Finalement, c'est un dégagement à l'autre bout. Cyr qui a la rondelle. Cyr laisse le disque dans le coin. Ça revient vers lui. Une bataille pour la rondelle. Finalement, Villemer qui est là. C'est une bataille pour le disque le long de la rampe. Le Boomerang qui tente de sortir de son territoire. Voilà, c'est fait. Saint-Jacques qui va d'un petit lob. Ça s'en va vers Paradis. Ça n'a pas fonctionné. Contre-attaque maintenant de Deslauriers-Alain. Deslauriers-Alain remet vers le filet. Ça n'a pas fonctionné. Le Boomerang qui va contre-attaquer à 4 joueurs. Non, ça n'a pas fonctionné. Bastien qui n'a pas réceptionné une passe de Bérard. Mais Jaudoin qui était là en appui derrière pour un dégagement à l'autre bout. Et la rondelle se retrouve maintenant du côté du Phoenix avec une entrée de territoire de Bordaise. Bordaise maintenant qui envoie le disque vers Lemay. Qui a immobilisé le jeu, ça n'ira pas plus loin.
Et là, il y a eu un peu de chamaillage derrière le filet de Lemay. Ça n'ira pas plus loin. Et là, il y aura une pénalité contre Guillaume Mémont. Alors, avantage numérique pour le Phoenix. À la droite du gardien de but, Lemay. C'est gagné par le boomerang et Tsatas qui va dégager à l'autre bout. C'est Cournoyer qui a la rondelle. Cournoyer prend son temps. Laisse à sa droite Villemer maintenant qui entre à l'attaque. Villemer remet la rondelle vers le but. Et finalement, le jeu qui a avorté. Le boomerang qui a récupéré pour un dégagement. Ça venait de Bérard et c'est Cournoyer maintenant qui a la rondelle. Cournoyer prend son temps, remet devant lui Villemer de l'autre côté. Finalement, Trimarco qui est là et beau jeu de Nadeau qui l'a bien surveillé. Et le boomerang qui va s'amener à l'attaque. Là, Bérard qui s'amène. Bérard, une passe vers le filet, un tir, c'est bloqué. Superbe jeu de Bérard et une montée avec Bastien. Là. Et là, c'est une contre-attaque du côté du Phoenix. Un lancé qui rate pour Villemer. Ça revient vers Villemer. Villemer tente un lancer bas. C'est bloqué en défensive par Justin Cyr, le spécialiste des tirs bloqués. Ça revient derrière Chaussé qui remet le long de la rampe. Ça revient vers Chaussé. Chaussé pour un coéquipier. Je crois que c'est Cournoyer qui est là. Remet la rondelle à l'autre bout. Villemer maintenant qui envoie le disque le long de la rampe. Trimarco maintenant. Trimarco vers Pettigrew. Pettigrew. Bien surveillé par Desrosiers, qui l'a bien surveillé. Finalement, le boomerang qui dégage et la rondelle qui est sortie de son territoire. Le Phoenix qui va contre-attaquer. Chaussé qui s'amène à l'attaque. Pettigrew maintenant dans le coin, derrière le filet, applique les fins, remet devant. Finalement, ça revient à la ligne de ringuette. Un lancé de loin qui est bloqué. Et le boomerang qui réussit à dégager. Rondelle qui a voyagé dans l'écran protecteur. Ça n'ira pas plus loin. On a appelé un 4 minutes contre Guillaume Mémont. Je croyais que c'était une pénalité mineure, mais ça semble être un 4 minutes pour coup à la tête. Voilà. Il reste 2 minutes 5 à l'avantage numérique du Phoenix. Cournoyer remet vers le filet un lancé qui rate. Finalement, le boomerang qui va récupérer avec Jaudoin. Jaudoin remet le long de la rampe et ça sera un dégagement à l'autre bout. Récupéré par Ayotte. Le Phoenix qui voudra sortir là, avec Lebeau. Une passe ici de Nardi devant lui. Daou maintenant. Daou tente un lancer, c'est raté. Ça revient vers Nardi pour un coéquipier. Le Phoenix qui s'installe là. Le tir, oh, qui est bloqué, je crois, par Nadeau. Rondelle qui est dégagée par le boomerang. Et là, ça va être Nadeau qui va se porter à l'attaque. Il a été bien surveillé par Cournoyer toutefois. Nadeau qui aurait pu s'échapper. Et là, il va récupérer la rondelle. Nadeau maintenant, une passe transversale au cercle. Le tir, oh, quel arrêt! D'ailleurs, rondelle qui rebondit et ça s'en va dans le coin avec Daou. Et Ayotte qui plaide sa cause. Il aurait peut-être aimé une punition pour obstruction contre le gardien. Bref. Langevin qui remet devant lui. Tsatas qui va récupérer moins d'une minute là, à l'avantage numérique du boomerang du Phoenix, dis-je. Guillaume Mémont qui avait été chassé un peu plus tôt, 4 minutes pour coup à la tête. Et là, on va s'amener à l'attaque, dis-je, du côté de Villemer. Villemer, maintenant, tente un lancer, c'est raté. Ça a touché à la baie vitrée derrière Lemay. Ça revient vers Chaussé. Chaussé, en zone neutre maintenant. Trimarco à Langevin. Langevin remet à la ligne de ringuette. Ça revient à la ligne bleue. Chaussé maintenant. Chaussé au cercle. Trimarco. Trimarco prend son temps. Tente un lancer de loin, c'est raté. Ça revient ici là, vers Villemer. Villemer qui prend son temps avec la rondelle, remet à Chaussé, à Villemer. Villemer, remise au cercle.
Un lancer de loin, c'est raté. Fin de l'avantage numérique du Phoenix. Ça revient vers le filet, mais coupé par Tsatas. Tsatas qui va d'un simple dégagement en zone neutre. Et là, c'est la contre-attaque de Pettigrew qui s'amène avec une feinte, mais le boomerang qui a réussi à récupérer. C'est un long dégagement. Paradis qui, non, n'a pas gagné sa course. Et c'est refusé. minutes 20 à jouer. Les lancers en deuxième période. 9-7 en faveur du collège André Grasset. Ça revient à la ligne bleue. Un dégagement en direction de Jaudoin. Jaudoin par la rampe. C'est un autre dégagement, mais cette fois-ci, ça sera accepté. Et le Phoenix là, qui sort avec Shampoo. Le boomerang qui tente de bloquer le tout. Leblanc qui s'amène en zone neutre. C'est coupé par Aymon à Jaudoin pour Aymon. À Julien Aymon maintenant. Guillaume Aymon, le défenseur. Julien Aymon, l'attaquant. Et finalement, c'est un dégagement à l'autre bout qui sera récupéré encore une fois par le boomerang avec Guillaume Aymon. Aymon qui prend son temps avec le disque par la rampe. Ça s'en va vers Provo. Interception ici en zone neutre. Le Phoenix qui tente de sortir avec Bordez, mais bon repli défensif de Provo qui joue tout un match ce soir. Shampoo qui s'amène à l'attaque. Shampoo. Finalement, ça revient derrière le but. Le Phoenix qui tente de s'installer et c'est coupé. Bastien qui est là. Jaudoin, dis-je, en compagnie de Guillaume Aymon. Rondelle qui dévie sur Bérard, ça s'en va à l'autre bout. Nardi qui est là. Goyette maintenant. Goyette. Vers Langevin qui a été bousculé là, à la ligne bleue. Il y aura pénalité contre le boomerang. Bérard qui sera chassé pour mise en échec illégale. Et le Phoenix qui retournera en avantage numérique. Eliott Bérard qui s'en va au cachot avec 11-49 à jouer en troisième période. 6-2 la marque. Et Hardy qui retraite au vestiaire. Là. C'est une mauvaise nouvelle pour le boomerang. On sait que Ryan Cronwall s'était blessé un peu plus tôt dans cette partie. Ça revient vers Desrosiers. Desrosiers qui remet à la ligne bleue. Villemer qui est là. Devant lui maintenant. Le boomerang, ça doit découler cette pénalité-là. Un lancer qui a été capté par Lemay. Pas de retour. Cyr qui a la rondelle. Mise en échec ici. Finalement, le Phoenix qui récupère. Trimarco. Trimarco remet à la ligne des buts. Une passe à l'ombre. Oh, quel jeu bloqué! Je ne sais pas si Lemay a effectué cet arrêt-là, mais belle pièce de jeu créée par le Phoenix, mais le tout a avorté. Et là, c'est une longue bataille dans le coin, le long de la clôture, et le boomerang qui envoie la rondelle dans le coin opposé. Rondelle qui revient vers Langevin. Une passe dans le haut de l'enclave. Cournoyer. Oh! Sur son jeu, le Villemer qui a chuté en voulant tirer sur réception. Et la rondelle qui s'est faufilée jusqu'à l'autre bout. Le Phoenix qui s'amène à l'attaque. Saint-Jacques qui tente un repli défensif au départ de Sani qui va remettre à Daou. Daou. Il va d'une feinte, remet vers le filet et la rondelle qui a touché le poteau, ça s'en va vers Chaussé. Chaussé à Sonny maintenant. Sonny tente de remettre vers le filet. Finalement, ça a intercepté. Ça revient vers Nadeau pour Paradis. Paradis qui dégage à l'autre bout. Il va rester 30 secondes à jouer à l'avantage numérique du Phoenix du collège André Grasset. Eliott Bérard qui avait été chassé pour mise en échec illégale. 10 minutes 10 secondes à jouer en troisième. Et on joue sur cette séquence et... C'est l'arrêt du jeu. Avec 19 secondes à écouler à la pénalité de Bérard.
Le Boomerang qui a connu une excellente première période et par la suite, là, le Phoenix a été en mesure de reprendre un peu du poil de la bête, mais c'est vraiment les 5 buts marqués en première période du côté d'André Laurando qui ont fait la différence dans cette partie. C'est repris par Sonny. Sonny qui s'amène à l'attaque, prend son temps, remet à la ligne bleue. S'installe là, du côté de Chaussée. Une passe devant lui. Finalement, ça s'en va dans le coin. Nadeau qui est là. Rondelle interceptée par Tranquille qui va remettre par la rampe et ça va être la contre-attaque du Boomerang. Bastien maintenant. Bastien tente de remettre vers Nadeau et la rondelle qui fut déviée. Et ça n'a pas fonctionné. La rondelle qui a voyagé jusqu'à l'écran derrière le gardien de but à Yacht. Ça n'ira pas plus loin. Marc-Antoine Lamy qui a une fiche de 3 victoires, 5 défaites à la régulière et un revers en bris d'égalité depuis le début de la présente campagne. Il a également joué quelques matchs là, au niveau Division 1. Rondelle qui revient vers Jaudoin et finalement interception. Dégagement à l'autre bout. Guillaume Aymon. Aymon par la rampe, ça s'en va. Vers Tranquille. Tranquille qui a été trébuché. Aymon maintenant. Aymon derrière pour Jaudoin qui tente de sortir contre Leblanc. Ça revient vers le filet. Bordaz qui envoie le tout vers le gardien. Ça n'ira pas plus loin. Et là, Bordaz et Guillaume Aymon là, qui se sont échangés quelques mots. Donc, on aperçoit des nouveaux joueurs du côté du Phoenix. Pettigrew qui est là, Lebeau, Chapdelaine. Trimarco. Mise au jeu gagnée par le Boomerang, Guillaume Aymon qui est là. Trimarco également, Jaudoin qui est de la partie. Finalement, c'est un dégagement par la rampe, ça s'en va vers Chapdelaine. Chapdelaine qui est bousculé. Récupération de Bastien. Bastien prend son temps. Le long de la rampe, ça s'en va en direction de Provo. Ça n'a pas fonctionné. Provo qui va récupérer sa propre rondelle, remet à Tranquille. Tranquille va avancer à la ligne rouge, mais elle n'a pas été en mesure de dégager. Et là, c'est la contre-attaque du Phoenix. Rondelle qui revient vers Trimarco. Trimarco, bien surveillé par Aymon en défensive. Et c'est un dégagement du Boomerang qui ne sera pas refusé. Avec 8 minutes 25 à jouer à cette partie. À cette troisième période, le Boomerang en avance 6-2. Récupération de Barbeau en zone neutre qui a été bousculée ici. Et là, Aymon qui tente de s'amener à l'attaque en compagnie de Noël. Noël qui remet vers Aymon. Noël maintenant, finalement, ça revient vers Barbeau. Barbeau qui laisse la rondelle libre. Et là, c'est l'attaque de Villemer qui va s'amener en échappée. Villemer tire du revers bloqué par Lemay. Et il y avait également Cyr qui était en repli défensif qui tentait de réparer les dégâts. Rondelle qui voyage jusqu'à l'autre bout. Et c'est un dégagement refusé contre le cégep André Laurando. Moins de 8 minutes à jouer. Mise au jeu qui sera jouée dans le territoire du Boomerang. C'est remporté par le Phoenix. Chaussée qui a effectué un tir et ça fut bloqué. Par la suite, retour récupéré par Saint-Jacques. Interception de Nardi. Saint-Jacques qui va récupérer. Tente de sortir de son territoire. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, c'est Nadeau qui a dégagé du revers. Par la suite, Villemer a récupéré à la ligne bleue pour placer la rondelle en fond de territoire. Le Boomerang qui récupère par la suite. Nadeau le long de la rampe. Paradis maintenant. Paradis va remettre en direction de Saint-Jacques. 3 contre 2, peut-être 2 contre 1. Saint-Jacques tente un lancer et c'est raté. Ça revient vers Paradis qui a échappé la rondelle, mais c'est revenu vers Tsatas qui va appuyer l'attaque. Tsatas, il va d'une feinte. Tente de remettre vers Saint-Jacques. La passe vers Paradis, une feinte. Oh, c'est raté ici. Paradis là qui est en train de monter, qui tentait de montrer ses habiletés aux défenseurs adverses. Et là, la rondelle se retrouve en fond de territoire. Saint-Jacques qui est là, bousculé le long de la rampe. Saint-Jacques gagne cette bataille, remet la passe vers le filet. C'est bloqué. Pas de retour.
Et une rondelle qui était bondissante, empêchant ici Rioux de tirer sur réception. Mais un bon travail en fond de territoire de la part de Paradis et Saint-Jacques. Tranquille qui est au cercle pour le boomerang. Tranquille tente de gagner cette mise au jeu, ça ne fonctionne pas. C'est son adversaire Daou qui a remporté le disque. Bérard qui récupère un dégagement. Chapdelaine maintenant qui a la rondelle. Chapdelaine, une passe coupée là, par le boomerang. Ça devient une bataille par la suite. Ligne bleue maintenant, Jaudoin pour Provo. Une passe dans le flanc opposé. C'est intercepté par Cournoyer. Cournoyer qui a été bien surveillé. Langevin maintenant. Interception de Bérard qui va s'amener seul. Bérard s'amène. Tire sur le poteau. Bérard qui a tiré directement sur la tige métallique. Il aurait pu inscrire son premier but au niveau collégial. Et la rondelle qui est revenue vers Langevin. Langevin maintenant. Tente un lancer. C'est bloqué. Pas de retour. Et là, commencement de dispute ici proche du filet du boomerang. Alors là, Aymon qui a été chassé, ainsi que Sonné, je crois. Cinq contre cinq, punition coïncidente. Le jeu qui reprend. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Le boomerang qui dégage par la rampe avec Bastien. Aymon maintenant qui envoie le disque à l'autre bout. Ça sera une course pour la rondelle. Récupérée là, par le Phoenix avec Champou. Ainsi que Goyette. Récupération de Aymon. En défensive maintenant, Desrosiers à Cyr. C'est imprécis. Cyr qui va hacher la rondelle qui voyagera derrière le filet. Champou qui est là en compagnie de Goyette. Goyette maintenant qui remet en zone 1. Une mise en échec de Cyr ici. Et ce sera un appel d'obstruction sans équivoque. Là. Sans équivoque, le joueur des Patriotes qui n'avait plus la rondelle et Cyr était sur son chemin pour lui barrer la route. Et là, le boomerang doit se débrouiller avec quatre défenseurs seulement pour les deux prochaines minutes ou environ. Guillaume Aymon et Justin Cyr qui sont au cachot. Alors là, c'est une occasion là, du côté du Phoenix. Mise au jeu gagnée par le Phoenix. Cournoyer maintenant qui remet au cercle. Trimarco, une passe à la ligne d'un but, ça revient devant et ça fut bloqué. Dégagement à l'autre bout. Récupération de Cournoyer. Cournoyer. Une passe, ça revient vers Langevin. Langevin tente une feinte. Il a été bien surveillé en défensive par le boomerang. Et là, ça va être la contre-attaque de Barbeau. Barbeau qui s'amène un contre un contre Cournoyer, mais bonne surveillance en repli défensif de la part de Trimarco, de sorte que le Phoenix peut récupérer la rondelle. Sortie de territoire. Cette fois-ci, ça touche le patin de Barbeau, de sorte que Cournoyer a récupéré en zone neutre. Cournoyer, lancé frappé, ça devient un dégagement. Récupéré par Trimarco dans le coin. Bataille pour la rondelle. Tsatas qui est là également. Finalement, c'est Barbeau qui est sorti vainqueur de cette bataille. Évite une mise en échec. Remet à Julien Aymon qui sort la rondelle de son territoire. Une autre bataille ici gagnée par le Phoenix. Mais des précieuses secondes qui se sont égrenées à l'avantage numérique du Phoenix là, pour le boomerang. Trimarco qui a la rondelle. Il va d'une passe. Ça revient derrière le filet. Finalement, interception de Rioux. Rioux qui remet du revers. Le boomerang qui récupère par la suite. Avec Tsatas qui va d'un long dégagement dévié par Noël. Récupéré cette fois-ci par Chaussé. Avec moins de 40 secondes à jouer à l'avantage numérique du Phoenix. Ça revient en zone neutre. Dégagement à l'autre bout.
Jaudoin qui est là, pousse la rondelle à une main. Finalement, le Phoenix qui est là avec Bordez, bataille pour le disque. Jaudoin qui est là encore une fois. Finalement, le boomerang qui dégage à la ligne bleue. Nardi à chaussée, le long de la rampe. Desrosiers qui tente de gagner. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Jaudoin qui dégage jusqu'à la ligne bleue. Interception de Rioux. Noël avec Rioux maintenant. Rioux qui s'amène à l'attaque. A tenté une feinte et ce fut de trop. Il y a eu un hors-jeu contre la formation de Bruno Gladu. Ça n'ira pas plus loin. Alors le boomerang qui aura réussi à écouler l'avantage numérique du Phoenix avec un effectif amoindri. 3 minutes 22 à jouer en troisième période. Tranquille qui est au cercle pour le boomerang contre Villemaire. C'est gagné par Tranquille et récupéré par Desrosiers. Desrosiers prend son temps. Un dégagement, c'est dévié. Récupéré par Desrosiers. Bataille gagnée par Villemaire. Une remise à Daou qui a tenté un lancer, qui a voyagé dans l'écran derrière Lemay. 3 minutes 6 secondes à jouer en troisième période. Le boomerang en avant, 6 à 2. C'est gagné par le boomerang. Rondelle qui se retrouve sur la palette de Daou. Daou à Cournoyer. Cournoyer le long de la rampe. Finalement, ça devient une bataille pour la rondelle. Daou qui remet à Cournoyer. Cournoyer bien surveillé par la rampe, par Bérard. Et là, c'est la contre-attaque du boomerang. Passe de Provo à Tranquille qui tire. C'est raté. Ça revient vers Provo. Provo remet à Bérard. Bérard bien surveillé. Remet du revers vers le filet. Tranquille qui a cogné à la porte. Et c'est bloqué. Pas de retour. Un excellent match pour ce trio-là. Composé de Tranquille, Bérard et Provo. Ce trio-là qui a été composé là, pendant la partie puisqu'il y a eu des blessures. Ça donne des éléments intéressants pour Bruno Gladu là, d'avoir des options de plus dans son casse-tête. Ça revient vers Saint-Jacques. Saint-Jacques qui a vu sa rondelle être récupérée. Là, c'est le Phoenix qui s'amène à l'attaque avec Deslauriers-Alain. Ça revient en zone neutre. Champoux maintenant pour un coéquipier. Rondelle interceptée par Rioux qui va s'amener à l'attaque. Rioux s'amène, prend son temps, remet à sa droite. C'est intercepté par Sonné. Sonné qui laisse devant lui Villemaire, interception de Saint-Jacques. Saint-Jacques la passe à Rioux. Rioux à Paradis, dis-je, qui remet vers le filet. C'est intercepté. C'est récupéré par Villemaire. Villemaire maintenant. Moins de 2 minutes à jouer. Au match, le boomerang en avance, 6 à 2. Avec Nadeau. Nadeau prend son temps. S'amène à la ligne bleue. À la ligne rouge maintenant. Ligne bleue adverse. Nadeau se porte à l'attaque. Et finalement, il a été surveillé. Quel match de Jacob Nadeau ce soir. Et ça revient vers Alexis Tsatas. Tsatas en direction de Nadeau qui va dégager à l'autre bout. Ça revient vers Nardi. Nardi derrière lui maintenant. Chaussé qui est là. Rondelle qui sort. C'est un dégagement récupéré par le boomerang. Et ça revient vers Barbeau. Barbeau, une passe dans l'enclave. Julien Aymon qui s'amène. Aymon, il va d'une feinte. Un tir au but. C'est bloqué par le gardien Ayotte. Et Leblanc qui va s'amener à l'attaque moins d'une minute maintenant. Un tir du numéro 12 du Phoenix fut bloqué. Et ça n'ira pas plus loin. 52 secondes à jouer à la troisième période et au match. Le boomerang en avant, 6 à 2. Le boomerang qui pourrait revenir maintenant avec une fiche de 500 avec cette victoire. Ça lui donnerait maintenant une fiche de 8 victoires, 8 défaites à la régulière, 2 défaites en prix d'égalité. Dont une défaite en tir de barrage, justement, à l'aréna Michel Normandin contre ces mêmes Phoenix du collège André Grasset. Rondelle qui se retrouve dans le coin et les secondes s'égrènent. Ça revient vers Cyr. Cyr, du revers pour Aymon, interception en zone neutre. C'est revenu vers Sonné, mais Barbeau, qui était là en premier pour la rondelle, a remis
pour Bastien, qui a placé le disque du revers. Ça s'en va vers Bérard, qui remet vers le filet. Bastien qui était là pour cogner à la porte, mais il n'a pas pu saisir cette rondelle. Ça revient vers Bastien. Bastien tente un tir d'un angle, d'un certain angle fermé, mais ce fut raté. Rondelle qui se retrouve sur la palette de Champoux. Les dernières secondes de ce match vont s'égrener. Le boomerang qui signe une convaincante victoire au compte de 6-2. 5 buts qui ont été marqués en première période auront fait la différence dans cette partie. Le boomerang qui complète la soirée avec maintenant un dossier de 8 victoires, 8 défaites à la régulière, 2 revers en bris d'égalité. Il aura maintenant 18 points au classement général, soit 2 points derrière le Phoenix du collège André Grasset pour le 4e rang. Alors qu'on vient, qu'on annoncera les 3 étoiles du match. Éliott Bérard qui a obtenu la 3e étoile du match. Samuel Provost qui reçoit la 2e étoile du match. Et Jacob Nadeau qui a reçu la 1ère étoile du match de ce soir, le boomerang, qui a signé une victoire convaincante par la marque de 6-2. Le Phoenix du collège André Grasset qui a été enseveli par les buts du boomerang en première période par une grosse tempête signée par la formation de Bruno Gladu. Et donc la marque finale ce soir, victoire 6-2 contre le Phoenix du collège André Grasset. 5 buts en première période qui auront fait la différence dans cette partie. Et le boomerang qui peut donc maintenant espérer de se rapprocher au 4e rang de la division du Sud-Ouest. Merci tout le monde d'avoir été là. Marque finale ce soir, 6-2. La victoire du Cégep André-Laurando contre le collège André Grasset.